présenté par Thierry Mangotte. Ah oui, il dit des Calteri et Anthony Royal par Marceline, joli croisement, n'est-ce pas? Et c'est le croisement qui a donné. Donc c'est pas tout à fait le croisement, mais bon, bref, dans cette famille, il y a la spéciale Calteri. Le cours tout à fait remarquable. Il a fait la montre d'ailleurs, la sortie un temps. Allez, on peut marcher. Allez, un Calteri, donc donné le 23 mars. Anthony Royal, c'est ici, c'est pour lui, c'est la cousine de Paco Natal, une Ritaclat qui a remporté, un Ritaclat qui a remporté le violon 2 à Auteuil. Du côté, merci. Du côté des rides, bah normalement c'est les filles femelles, oui. Nous avons le 20. Ring numéro 2. Ah, tiens, premier produit Gemix qu'on voit dans ce concours, le champion Gemix double vainqueur de la grande course de Haie d'Auteuil. La mère est par Licius, surprenant Licius, et elle est la femme du marché, Sébastien, de Mornay. Je vous présente cette nièce d'Aravis, un Aravis qui était un très très bon cheval, très solide, donc il ne savait pas prendre des fils de Sibotica. Quant à la mère Anadoura, gagnante précoce du prix du début à Lyon, en obstacle, elle a fait donner naissance à deux vainqueurs, notamment Kayanoura, une fille de Kayazé, qui s'est imposée dans la course de l'automne à Toulouse. On va trotter Sébastien. Comme il y a eu Tara également. Et donc pour le 20 à Balzac. Je vais trotter une fois. Allez, on y va, on y va.